Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Shadow, j'espère que vous allez bien. Écouter, pour ma part ça va plutôt bien puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci avec mon point de vue sur Code Advanced Warfare. Comme vous avez pu voir au titre ou bien à la miniature, je vais parler tout simplement des classes, des modes de jeu qui y seront présents et ensuite les modes de jeu je crois. Donc voilà, les maps, les classes et les modes de jeu qui seront présents. Je peux pas tout aborder, donc c'est pour ça que je fais ça en 3 points. On va commencer par les classes, mais vous allez bien voir de toute manière par la suite de la vidéo. Mais je voulais quand même vous présenter le gameplay que vous avez sous les yeux. Donc c'est un gameplay sur Call of Duty Black Ops 2, comme vous avez pu le remarquer. J'étais avec la N94, silencieux, poignard go cross, détermination, pillard, dextérité et en joker principal sur équipé. Je joue en soutien, donc drone, redoublage, microstation, ça vous connaissez. Et j'étais accompagné de ceux qui m'a aidé à réaliser une nucléaire en deuxième partie du gameplay. Donc je vais me dépêcher parce que c'est vraiment très long à expliquer, mais avant cela je voulais quand même préciser, comme vous avez pu voir en début de vidéo, que je l'enverrai à quelques chaînes communautaires que je remercie vraiment si elle m'a fait, ça fait vraiment très plaisir. Et puis je pense qu'on va pouvoir commencer le sujet. Donc comme vous aurez pu remarquer sur Code Advanced Warfare, les classes seront constituées comme un peu Black Ops 2, on va retrouver le même système avec les points. Et cette fois-ci ça sera pas 10 mais 13, pourquoi? Parce que les gunslings seront rassemblés avec la classe. Cette fois on pourra vraiment personnaliser notre classe comme, comme bon nous semble, tout simplement. On pourra, on sera pas obligé d'avoir les mêmes gunslings, parce que c'est vrai que sur BO2 on pouvait trouver des fois des parties vraiment... Bah, on tombait contre des joueurs vraiment très nuls, donc on avait possibilité de réaliser du nucléaire, des Moab, enfin des nucléaires en particulier sur Black Ops 2, je sais pas comment ça sera sur Code Advanced Warfare. Mais des fois on n'avait pas les bons score streak, on n'avait pas forcément de drone, redouillage, microstation. Ou alors on voulait faire des gros scores et on n'avait pas les ADAV, etc. Enfin bon, je pense que vous me comprenez là-dessus. Et donc là on pourra vraiment personnaliser comme bon nous semble. Mais donc ça c'est l'avantage. Mais il y a un petit défaut, ou alors on peut passer aussi, on peut le prendre comme un avantage, c'est que si jamais on joue en équipe, c'est-à-dire que vous avez des alliés, etc. et que vous jouez justement sur ce Code Advanced Warfare, je sais pas si ça sera une Moab, une nucléaire ou une KM, on verra bien. Mais si jamais, bah, en imaginant que c'est une nucléaire, ça sera plus facile de l'obtenir. Pourquoi? Parce que vos alliés ils pourront mettre drone de redouillage, microstation, si c'est ça, hein, un petit truc comme ça, je pense que ça se rassemblera beaucoup. Et du coup vous pourrez mettre plus d'atouts sur vos classes sans mettre les gunstreaks. C'est-à-dire que bah, au lieu de mettre 3 gunstreaks, vous aurez 3 places en plus pour mettre des atouts et vraiment être invincible sur le terrain. Je sais pas si vous comprenez, mais en gros, au lieu d'utiliser 3 gunstreaks, vous demanderez à vos alliés de vraiment vous aider là-dessus, parce que sinon vous n'allez pas la réaliser. Et comme ça vous pouvez mettre des atouts en plus sur votre classe. Ces 3 points, on va dire, pourront vous aider à avoir plus d'atouts sur le terrain, tout simplement. Donc moi je le prends pour un avantage et un inconvénient, parce que c'est vrai que quand on se retrouve contre un joueur comme ça, c'est vrai que c'est vraiment désagréable. Je pense qu'il y a des gens qui vont trouver la technique, hein. Mais voilà, j'y ai réfléchi il n'y a pas longtemps, je me suis dit mais il y a 13 points et les gunstreaks sont à l'intérieur, donc si on les enlève, normalement on a encore 10 points. Donc on a encore 3 points qui nous restent, et du coup on pourra les utiliser pour mettre des trucs pour résister contre plus de choses. Je sais pas, voilà, je pense que c'est ça, que je pense que vous m'avez compris sur ça. Et donc je le prends entre un avantage et un inconvénient. Donc un avantage si c'est pour moi, et forcément si c'est un inconvénient si c'est l'adversaire qui le possède. Mais ouais, franchement ça c'est, je sais pas, donnez-moi votre avis par rapport à ça dans les commentaires, hein. Je demanderai beaucoup votre participation sur cette vidéo, mais vraiment pour savoir si, comment vous le prenez, si jamais des gens utilisent comme ça, est-ce que pour vous c'est un avantage des deux côtés, si c'est un inconvénient, ou alors vous vous en foutez complètement, hein. Ça m'intéresse pour voir bah, si, ou alors si vous attendez la sortie du jeu pour vraiment noter. Mais voilà, moi, mon point de vue sur les classes. Les armes, je vous en parle pas, c'est un peu dans le futuriste. Donc voilà, je pense que maintenant on a l'habitude, hein, plus on avance, plus les armes deviennent un peu futuristes, hein, ça on a l'habitude de toute manière. Donc voilà pour ce qui est des classes. Après je vais vous parler des maps et des modes de jeu qui seront présents sur ce Call of Duty Advanced Warfare. Alors pour l'instant bah, il n'y a pas beaucoup de nouvelles là-dessus, hein, c'est-à-dire qu'ils nous ont pas tout donné, les maps, etc., les modes de jeu, mais je vais pouvoir vous en donner quelques-uns. Et donc pas des photos, je peux pas avoir des photos, mais je pourrais quand même vous donner bah, les noms des maps, ceux qui vont sortir. Enfin il y a 4 cartes auxquelles qui ont été dévoilées après avant la sortie du jeu, donc récemment. tout simplement. Donc il y a BioLab, donc c'est un laboratoire qui propose des décors extérieurs et intérieurs dans lesquels on peut tirer dans des tubes répartis dans les décors afin de libérer un gaz qui déstabilise les adversaires qui le respirent, un peu comme les flashs, etc. Ce genre de grenades, je pense que c'est un peu comme ça. Ensuite on a Rio, R-I-O-T, hein, pas R-I-O, hein. Qui est une ancienne prison pleine de pièges dont il faut se protéger et utiliser contre ses ennemis. Ensuite on a Ascent, donc dans une station futuriste, les joueurs doivent profiter de tourelles réparties un peu partout, tout simplement. Et ensuite on a Defender, sous le pont du Golden Gate à San Francisco, les joueurs s'affrontent dans des bunkers de différentes tailles, mais attention, un tsunami vient engloutir une partie de la carte à certains moments. Donc ça c'est ce qu'on avait entendu, hein, en gros qu'il y avait des animations un peu comme on l'avait entendu sur, Ghost, pardon, excusez-moi, comme quoi il y a des animations, hein, c'est un peu plus présent sur tout ce qui est le média. Maintenant vous avez par exemple YouTube qui met des bannières animées, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais maintenant tout se fait par animation, ça commence vraiment à se développer, hein, plus on avance de toute manière, je vous l'ai dit, hein, mieux c'est. Donc voilà, on rentre vraiment dans l'animation et là ils vont vraiment faire un truc encore plus fort que Ghost, donc bien c'est logique, hein, mais ils vont carrément, ça sera des je sais pas si ça sera par temps, c'est à dire ça sera à la même minute sur chaque partie. Par exemple vous lancez une partie sur la map qui s'appelle Defender, à 4 minutes disons il y a le tsunami, à 8 minutes je sais pas si ça sera chronométré ou vraiment aléatoirement, je pense que vous m'avez compris là dessus je ne sais pas du tout, donnez moi votre avis, est-ce que vous pensez que ça sera chronométré à des temps précis ou bien ça sera vraiment aléatoirement à des temps vraiment aléatoires comme je vous l'ai dit, je ne sais pas du tout. Ensuite on a les modes de jeu qu'on connaît, donc match à mort en équipe, match à mort par équipe, enfin des trucs comme ça. On a capture de drapeau, le hardpoint qui refait son apparition, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup demandé, on était nombreux à vouloir ce mode de jeu parce qu'il nous avait tous plu, surtout dans la ligue de Black Ops 2, donc c'est un très bon mode de jeu, moi-même j'en suis très satisfait de ce mode et qu'ils le reviennent. On aura bien évidemment de la recherche et destruction, de la domination. Ensuite on aura Uplink, le fameux jeu, le nouveau mode de jeu qui fait son apparition, qui peut être fun, qu'on peut faire entre potes, ça va vraiment être sympa. Donc c'est un drone en fait qu'on récupère en forme de balle et à jeter dans une sphère virtuelle située dans le camp ennemi pour marquer un point, tout simplement. Ensuite on a Mabantum qui est basé sur le mode de guerre de Code War at War. Je ne connais pas du tout ce jeu, enfin je le connais par son nom mais je n'y ai jamais joué, donc je sais pas à quoi ça ressemble. Pour les possesseurs de ce jeu, bah, je pense que vous savez ce que c'est, moi en tout cas je n'en sais pas plus, mais on verra bien de toute manière ce que ça donnera. Et donc il y aura d'autres modes bien sûr qui seront à venir, mais qui sont pas encore présents, qui n'ont pas été encore dévoilés en tout cas par Activision ou bien Sledgehammer Games, tout simplement. Donc voilà, j'en ai terminé pour le sujet, en espérant que ça vous aura renseigné un peu. Et puis pour les points de vue, petite nucléaire au passage, je vais mourir tout de suite, voilà, pour une flash, parce que j'avais pas Mass Tactique. C'est pour ça que vraiment que j'avais envie de parler des classes, parce que du coup on pourra mettre Mass Tactique, etc. Franchement c'est très important, c'est un petit détail mais qui vraiment peut être très important. Donc voilà, j'espère que ce sujet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas tout simplement mettre dans les commentaires répondre aux questions que je vous ai posées durant la vidéo, et à laisser un like si ça vous a plu, et si je passe sur les chaînes communautaires, de visiter ma chaîne et pourquoi pas vous y abonner. Donc le gameplay va bientôt toucher à sa fin, le sujet en tout cas lui est terminé. Je vous dis à la prochaine et tchuss tout le monde.